Bonjour les vadrouilleuses et les vadrouilleurs. Eh bien, cette semaine, la vidéo sera sur le ramassage des olives à Gémenos, chez les amis chez qui j'ai passé quelques jours. Vous allez voir du ramassage au moulin afin d'emmener les olives pour en faire de l'huile et de la bonne huile bio de chez Bio. Donc, je vous laisse regarder ça. Allez, à tout à l'heure. Eh, hey, dis donc toi, tu n'aurais pas oublié de t'abonner? Allez, un petit clic! C'est parti, direction Gémenos! Le chemin de l'enfer! Chemin, j'ai encore dû rayer tout mon camion. Oh, mon pauvre Yello. Bonjour à tous. Ouh là là. Réveil difficile. Soirée difficile aussi. Je vais me réveiller tout doucement et puis je vais tout vous montrer cette journée spéciale. Allez, à tout à l'heure. On va commencer les hostilités. Allez, je vous montre. On va ramasser les olives. Voilà. Celle-ci. Bon, il y a du taf là. Hein. Là, c'est pas gagné. Hein. Faire de bien marcher là. Oh là là, c'est la machine à olives là. Ah oui, ça y va. C'est l'heure de l'apéro, donc on va aller boire l'apéro, hein, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Laissez-moi le consommer avec modération. Allez, on est à... Je te dis, on n'est pas loin des 400 en vrai. Bon, on est à 300. 300 kilos là.
Mais tu rigoles ou quoi? Moi j'aurais dit 280. Là, la cagette c'est 40 kilos. 295. Ah, 95, moi, ouais. 206 kilos et 400 grammes. Ben voilà, une journée de ramassage d'olives. J'avoue que j'en ai plein le dos. Hein. Ah, c'est fatigant. Hein. Mais bon, une bonne ambiance, musique à fond. Ah, c'est des caisses de 500, ça? En moyenne. Et ben, c'est arrivé au moulin pour donner les olives pour faire l'huile, leur propre huile. Bon, ben voilà, la petite visite du moulin. Nous avons remis les olives que nous avons cueillies. Il y a 242,250 kg en fin de compte. Donc, visite du moulin, c'était bien sympa. Voilà, c'est le reste de la tapenade. Après pression, ouais, ben, ça donne plus envie. Moi qui adore la tapenade, là, c'est vraiment plus mon truc. Hein. Ancienne balance. Poser les olives. Les 246 kg d'olives ont fait, si je me trompe pas, 37 litres d'huile d'olive. Pas mal, hein? Un petit litre d'huile d'olive qui m'attend là-bas. J'irai le chercher. Hein. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'y réponds à chaque fois. Et puis, ben, laissez-moi un pouce. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner juste là. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Vadrouillez bien. Et ciao !